Jonathan, on voit tes slides, mais on ne te voit pas encore à l'écran. C'est tout à fait normal. Effectivement, c'était normal, hein? Bonjour François. Bonjour Jonathan. Alors ça y est, c'est officiellement parti. C'est officiellement parti. Alors bonjour à tous. Bienvenue donc sur notre série de webinaires Solide Expérience. Aujourd'hui, on va aborder un sujet passionnant et surtout qui est, je dirais, à 360 sur l'environnement de l'ingénierie, puisqu'on va pouvoir ici faire intervenir beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir accès à du contenu de l'ingénierie, puisqu'on va parler aujourd'hui donc de création de documentation technique, de manuels de montage et d'instructions d'assemblage. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment très complet. Donc, pour commencer, présentons-nous. Puisqu'on parle de documentation technique, et je vous ai préparé une petite nomenclature de nous-mêmes. Donc, voilà, je me présente François. Moi, je suis en charge des comptes des ventes chez Solid Expert depuis 8 ans maintenant. Et je m'occupe de pouvoir évidemment vous adresser les meilleures solutions en fonction de vos besoins. Et ça, depuis maintenant plusieurs années, évidemment, dans l'environnement des solutions SolidWorks. Et comment va Voilà. ton drone aujourd'hui? Comment? Ton drone est toujours fonctionnel ou Oui, voilà, ça c'est un de mes hobbies, donc de faire crasher mon drone pour pouvoir le faire réparer après avec des pièces imprimées en 3D. Donc voilà, on se moque beaucoup de moi à l'interne pour ça. Alors voilà, donc deuxièmement, à côté de vous, vous allez aussi avoir notre spécialiste technique aujourd'hui, Jonathan. Jonathan, lui, donc s'occupe principalement des présentations et a une expertise technique. Vraiment 360 aussi sur les solutions SolidWorks et particulièrement donc sur la solution dont on va parler aujourd'hui pour pouvoir créer facilement à partir de nos modèles 3D différents types de documentation. D'ailleurs, la documentation technique Composer, c'est un de mes bébés, hein? C'est un des produits que j'aime le plus là, dans la famille SolidWorks. Évidemment, SolidWorks CAD, ça reste mon favori pour créer. Mais après ça, avec Composer, vraiment, on peut faire des images, on peut créer du contenu vraiment intéressant. Puis, moi, c'est un des produits que j'aime bien démontrer, qui est en plus facile pour moi de démontrer. Ça fait Oui, puis partie c'est un produit qui rend comment dire, le travail du designer un petit peu plus simple quand il s'agit de devoir manipuler justement des fichiers beaucoup plus lourds, manipuler des assemblages, puis pouvoir en faire plein de choses créatives avec. Donc, effectivement, quand il y a un petit côté designer en vous qui vous chatouille, effectivement, Composer va être une super solution avec laquelle vous allez pouvoir vous amuser en plus de travailler. Donc, Absolument. voilà, aujourd'hui on va parler donc de Composer qui permet donc de créer différents types de contenus basés bien sûr sur vos modèles 3D, aussi bien qu'ils soient CATIA et SolidWorks. On le verra tout à l'heure, il y a deux solutions qui se côtoient. Et puis bien évidemment, c'est très large, hein, tout ce qu'on va pouvoir toucher avec Composer. On vous a mis quelques exemples ici, là, donc que ce soit des guides d'assemblage, des guides d'installation, des manuels d'utilisation. On peut même aller, bien sûr, sur des manuels de maintenance. On peut créer de l'interactivité pour que ce soit sous forme d'animation. Et on va pouvoir même intégrer ces animations-là sous forme de petites applications web, que ce soit sur des machines directement pour faire de la maintenance ou pour pouvoir commander à partir d'un écran tactile certaines pièces, par exemple, de rechange directement à partir de Composer, puisqu'il comprend toutes les informations qui sont dans mon SolidWorks, donc ma nomenclature, mes informations, mes métadonnées, tout va être là pour pouvoir travailler facilement. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une solution un petit peu 360, parce que aussi bien un département de marketing va l'utiliser pour créer un visuel qu'un département d'ingénierie pour créer vraiment une instruction d'assemblage, ou un département de service après-vente pour aller vraiment déployer des listes de pièces interactives. Donc, c'est vraiment très, très, très vaste. Et
Et on a une approche vraiment facile sur l'utilisation du logiciel. Donc, je dirais quelques heures de formation et vous allez être capable de vous débrouiller quand même relativement bien, contrairement au logiciel de CAO qui, lui, va demander quand même un petit peu plus d'expertise et de savoir-faire pour travailler avec. Oui, absolument. Alors, la petite histoire du produit, donc la solution s'appelait auparavant Tridivia Composer. Donc, le branding Dassault Tridivia n'existe plus aujourd'hui. Et bien sûr, le produit, lui, existe toujours. Et il existe donc sous deux formes. Le SolidWorks Composer, qui va tout simplement permettre de faire tout ce qu'on vient de dire, mais avec les solutions SolidWorks. Et la version Katia Composer, qui va permettre de faire exactement tout ça aussi, mais cette fois-ci à partir de vos fichiers Katia. Par contre, le fonctionnement, mis à part l'ouverture de fichiers, le fonctionnement de tout ce qu'on va voir aujourd'hui va s'appliquer complètement dans les deux mondes, que vous ayez un assemblage Katia à gérer ou un assemblage SolidWorks. Donc, Jonathan, je te laisse peut-être prendre le relais un peu sur la suite, puis nous présenter un petit peu tout ça, comment ça fonctionne. Oui, merci François. En fait, la différence entre SolidWorks Composer et Katia Composer, c'est le moteur d'importation. Donc, il y en a un qui peut importer les fichiers SolidWorks et l'autre peut importer les fichiers Katia, mais le fonctionnement, les outils, les fonctionnalités restent les mêmes entre les deux plateformes. J'ai 10 000 affaires que je voulais vous montrer aujourd'hui, mais on est limité dans le temps. Alors, je voulais parler un peu de gestion de données avec PDM aussi parce que Composer peut s'intégrer très bien avec un logiciel comme PDM, avec des flux de travail, tout ça. Avec le temps qu'on avait aujourd'hui, j'ai pas pu intégrer ça. Par contre, dans une prochaine présentation, je vais vraiment focusser Composer avec les flux de travail et la gestion de données, autant au niveau de Innovia peut-être qu'au niveau de SolidWorks PDM. Donc, ce sera dans une prochaine présentation. Aujourd'hui, on va se concentrer sur comment on va faire avec Composer pour créer de la documentation technique. Auparavant, on utilisait des illustrations. Donc, ça prenait des artistes qui dessinaient à la main nos produits. Ça donnait des résultats qui sont vraiment fantastiques, qui sont fabuleux. C'est très, très, très beau à voir. Par contre, au niveau du temps, ça prenait des semaines à créer une vue en coupe comme celle-ci. Ensuite, on a commencé à prendre des photos. Donc, on bâtit un modèle, on le découpe, puis on fait nos photos. Donc, évidemment, pour faire une vue en coupe, il faut avoir un moteur dans le cas comme celui-ci, découper des portions, puis finalement, prendre nos photos. Alors, c'est pas non plus, c'est pas laid à voir, hein, François, tu sais, ça fait une belle vue, c'est impressionnant à voir dans un salon, par exemple, mais finalement, ça coûte cher, puis ça prend beaucoup de temps à faire aussi. Alors, évidemment, le but de réutiliser nos données CAO, c'est de pouvoir aller plus vite, donc faire notre documentation plus rapidement, sans avoir à faire des prototypes, sans avoir à engager des illustrateurs qui vont faire des illustrations techniques à la main ou même à l'ordinateur. Mais en fait, on va réutiliser nos modèles d'ingénierie. Alors, c'est la première partie qu'on va voir. Je vais aller directement dans SolidWorks Composer. Vous voyez que j'ai SolidWorks d'ouvert en arrière-plan. C'est juste parce que ça accélère l'ouverture des fichiers. Et on va aller ouvrir mon modèle SolidWorks. Ici, dans mon répertoire de design, j'ai mon assemblage. On va voir qu'au niveau des options, on peut maintenant dire qu'on veut importer les différentes configurations de notre assemblage. Et également, si on a créé une nomenclature dans l'assemblage SolidWorks, ça va l'importer en même temps. On peut importer aussi les vues éclatées, les vues nommées et les apparences qui proviennent de notre fichier SolidWorks. Alors, j'ouvre mon assemblage. Donc là, c'est SolidWorks qui travaille à l'arrière. S'il n'y a pas SolidWorks installé sur le même poste, il n'y a pas de problème parce que Composer vient avec le moteur d'importation. Alors, ça a été très rapide. J'ai maintenant mon assemblage d'ouvert dans Composer. Et première chose qu'on va remarquer, c'est que j'ai les différentes configurations qui sont affichées. Alors, j'ai présentement la semelle de randonnée. Je vais activer la semelle de marche et j'ai la semelle antidérapante. Alors, ça, c'est trois configurations que j'avais dans mon assemblage avec trois configurations de la pièce et tout ça a été importé dans Composer. Ensuite, on a la nomenclature, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. On va avoir également les vues. J'ai sélectionné l'option pour importer les vues éclatées et les vues nommées.
Alors, ce que SolidWorks Composer a fait, c'est que chacune des étapes d'éclatement a été importée en tant que vue. Alors, je vais activer ma vue rassemblée, ma première étape d'éclatement, ma seconde, et ainsi de suite. Donc, je vais passer des étapes juste pour accélérer, mais pour vous montrer que chacune des étapes que vous avez faites dans votre SolidWorks, dans votre vue éclatée, a été importée. Alors, essentiellement, là, je pourrais ouvrir mon assemblage comme ceci, avec toutes mes étapes, et tout de suite enregistrer ces images-là et les inclure dans mon document. Et donc, c'est vraiment rapide, c'est la façon la plus simple et la plus facile de faire de la documentation, c'est d'avoir de récupérer une vue éclatée existante. Évidemment, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des vues éclatées manuellement, mais vraiment, c'est une belle option qu'on a avec SolidWorks Composer. Alors, justement, je vais supprimer toutes les étapes d'éclatement. Je vais garder uniquement la vue éclatée et la vue rassemblée pour tout de suite. On a également deux vues nommées qui ont été importées. Alors, j'en ai une qui s'appelle ISO arrière et j'en ai une qui s'appelle ISO dessus. Donc, des fois, les concepteurs se positionnent des vues pour y retourner souvent. Donc, c'est le cas ici. Ensuite, on va aller, je vais retourner en vue éclatée, comme ceci. Puis, on va aller dans l'arbre d'assemblage. Alors, dans l'arbre d'assemblage, on a ici nos différentes configurations qui sont encore accessibles et on va pouvoir également se créer des jeux de sélection. Alors, moi, c'est vraiment une fonctionnalité que j'adore. C'est les jeux de sélection, ça permet de regrouper des pièces et des assemblages qui ne sont pas nécessairement un vrai assemblage dans SolidWorks. Par exemple, si je sélectionne cette pièce-ci, on voit que c'est une pièce qui fait partie d'un assemblage, mais les deux pièces qui sont ici ne font pas partie de cet assemblage-là. Donc, je vais créer des groupes. Donc, je vais faire un premier jeu de sélection comme ceci, un deuxième pour les deux, le côté gauche, le côté droite, mais je vais en faire un autre ici, juste pour le côté droit, un autre juste pour le côté gauche. Donc, on y va vraiment un peu dans l'ordre qui nous plaît pour créer ces groupes de sélection. Juste faire attention de ne pas sélectionner des pièces qui ne font pas partie du groupe. Alors maintenant, j'ai sept groupes de sélection et ça va m'aider un peu plus tard à justement sélectionner des groupes de pièces pour faire des vues éclatées, pour ajouter des nomenclatures ou quoi que ce soit. Et donc, rapidement, j'ai importé mes modèles d'ingénierie, mon modèle SolidWorks. J'avais des vues que, bon, j'ai pas besoin de toutes ces vues-là, donc je les ai supprimées. J'ai les configurations et finalement, on va voir que j'ai également les informations sur les pièces. Alors, si je viens sélectionner, par exemple, la semelle, je vais avoir toutes ces métapropriétés. Évidemment, il faut qu'elle ait été remplie soit dans SolidWorks ou dans PDM. Ici, je n'ai pas pris la peine de tout remplir pour le webinaire, mais évidemment, vos fichiers d'ingénierie, habituellement, ils viennent déjà avec ces informations-là parce que les concepteurs le font. J'aimerais porter une attention ici sur description. Alors, moi, je mets toujours une description qui, par défaut, est en anglais, puis une description française. Dans certains cas, je mets vraiment description française et description anglaise si votre description pour la documentation ne doit pas être identique à celle de l'ingénierie, mais on peut mettre des propriétés qui sont spécifiques à votre documentation directement dans vos fichiers SolidWorks. Alors ça, c'est vraiment la meilleure technique à utiliser. C'est mettez vos propriétés dans SolidWorks ou dans PDM, si vous avez PDM, et les propriétés vont se propager à vos fichiers SolidWorks. Donc, c'est un petit sprint pour vous montrer vraiment comment on importe les modèles puis comment on réutilise nos données CAO directement à partir de SolidWorks Composer. Maintenant, il va falloir définir comment on veut afficher nos modèles. C'est important de le faire au début. Pourquoi? Parce qu'on va se créer une vue par défaut et cette vue-là va servir de base pour toutes mes autres vues par la suite. Alors, si je veux avoir des couleurs spécifiques, si je veux avoir un mode de rendu spécifique, si je veux avoir une perspective, mais il va falloir que je le mette dans cette vue-là. Alors justement, ici, on va voir que, au niveau de la documentation technique, on peut avoir différents types de vues. Alors, on peut aller de simplifié à très complexe. Dans mon cas, je préfère être bien balancé, donc y aller avec une vue plus modérée. Donc, il ne met pas trop de détails, mais juste assez pour que le client ou l'utilisateur voit vraiment les détails nécessaires. Dans certains cas, on va mettre plus de détails. Si on fait une demande de brevet, on va faire ça plus simplifié possible pour dévoiler le moins de secrets possible. Alors, il y a vraiment différents types d'affichage qu'on va pouvoir définir dans chacune de nos vues dans Composer. Alors, justement, retournons dans Composer
Et on va en profiter ici pour aller à ma vue rassemblée. Puis, je vais définir un mode de perspective. Donc, je trouve ça plus joli dans mes vues éclatées. D'ajouter de la perspective, ça aide aussi à avoir des pièces qui seraient cachées si je ne suis pas en perspective parfois. Donc, si je fais une vue éclatée, par exemple, pour les vis qui sont toutes alignées, ça va arriver des fois que si on est en perspective, en mode orthogonal, il y a des pièces qui vont manquer. Donc, la perspective, c'est vraiment un bel ajout qu'on va faire dans notre documentation. Ensuite, au niveau des modes de rendu, on va avoir différents modes. Donc, par défaut, on voit notre modèle présentement est en mode ombré avec arrêt, ombré seul. On pourrait l'avoir ombré avec les arêtes. Évidemment, ça ajoute un peu de complexité dans la vue. Vu que c'est un mode ombré, on a des points lumineux puis on a des ombrages aussi, ce qui peut parfois être agaçant dans notre documentation technique. On a des modes d'illustration qui sont très utilisés dans l'aéronautique, dans l'automobile. Or, j'ai deux murs bleus, deux murs verts, puis c'est ça qui donne les réflexions sur mon modèle. Finalement, j'ai un mode technique qui ressemble beaucoup au mode ombré avec les arêtes, mais les arêtes de contour vont être plus gras. Et j'ai le mode silhouette, qui est un mode très utilisé en documentation technique quand on veut imprimer en noir et blanc. Moi, je vous le dis, j'utilise très, très, très rarement ce mode-là. Pourquoi? Je préfère travailler en couleur. C'est plus facile de sélectionner les pièces. Je vais vous montrer des fonctionnalités tantôt qui nous aident justement avec les couleurs pour faire des sélections. Mais aussi parce qu'avec Composer, on peut décider à la fin si on veut exporter en couleur ou en noir et blanc, juste en outline ou en ligne de contour. Alors, pourquoi travailler toujours en outline? Je ne vois pas vraiment d'intérêt. Alors, moi, je vais le mettre en mode technique CAPLA, qui est le mode de prédilection pour la documentation technique, parce qu'il n'y a pas de zone ombragée, il n'y a pas de luminosité non plus. Et on va pouvoir également définir le style de contour. Alors, par exemple, si je mets des arêtes cassantes, on perd beaucoup de détails au niveau de la semelle, mais aussi au niveau du cylindre ici. Donc, toutes les formes arrondies, partout où il y a des congés, donc les arêtes tangentes sont enlevées. On a un mode arête intelligent qui va prendre quelques secondes à calculer la première fois. Après ça, c'est super rapide. En fait, ce modèle-là est un peu plus long à charger les arêtes intelligentes parce que la semelle a beaucoup d'arêtes en dessous. Alors, on voit que j'ai plus de détails que le mode sans les arêtes cassantes. Et donc, on pourrait retourner, si on veut, là, au mode arête cassante. Donc, particulièrement ici, il manque beaucoup de détails par rapport au mode arête intelligent. Alors, ça, c'est le mode que je vais utiliser pour ma documentation technique. Ensuite, on va aller appliquer des couleurs. Donc, moi, j'applique toujours des couleurs à partir de mes jeux de sélection. Ça va très rapidement nous aider. Celui-ci, je vais mettre, ça, c'est le centre. Mettre ça mauve. Ici, le cylindre, je vais mettre ça orange. Et finalement, la semelle, je vais tout mettre ça vert comme ceci. Alors, je mets des couleurs contrastantes entre chacun de mes groupes. Ça va beaucoup aider à la compréhension du modèle. Puis pour le travail aussi, ça va être plus simple. Alors, je vais créer tout de suite ma première vue. Cette vue-là, je vais l'appeler ma vue par défaut. Et c'est cette vue-là qui va servir de base pour chacune de mes vues par la suite. As-tu des questions, François? Juste le temps de rallumer le micro, évidemment. Non, pas particulièrement de questions. En revanche, ce que je me rends compte, c'est qu'effectivement, ça permet par contre une manipulation du modèle qui serait complètement impossible dans SolidWorks, si j'ai bien compris. Oui, absolument. Tu sais, faire des groupes de sélection, ajouter des couleurs sans affecter le modèle d'ingénierie. Parce que là, tout ce que je fais présentement, c'est uniquement dans mon modèle Composer. Donc, je n'ai pas changé des couleurs à l'ingénierie, je ne vais pas changer des propriétés, je ne vais pas cacher des pièces à l'ingénierie. Donc, je n'affecte jamais leur travail à eux. Pas de risque que par erreur, je supprime une pièce, je l'enregistre, puis ça vient de briser l'assemblage. Donc, effectivement, mais en revanche, si je fais une modification sur ma pièce en tant que designer, là, tu vas être informé. Exactement. Donc, à chaque fois qu'il va y avoir des modifications à l'ingénierie, mon modèle Composer va pouvoir s'actualiser. Et d'ailleurs, je vais faire l'exemple à la toute fin du webinaire. Super. Alors, on continue. Parfait. Alors, au niveau de la simplification des vues, vous allez voir que il faut toujours balancer entre trop simplifié et trop complexe. Mais comme je disais, dans une vue en particulier, on pourrait mettre plus de détails. Puis dans d'autres vues, mettre ça plus simplifié au besoin.
Maintenant, les vues éclatées, les nomenclatures. Donc, ça, c'est vraiment la base de votre documentation technique. C'est sur ça qu'on passe le plus de temps habituellement, à faire des vues éclatées, à créer des nomenclatures, à ajouter les bonnes propriétés, les bonnes descriptions, surtout lorsqu'on n'utilise pas un logiciel qui est lié à notre CAO. Alors, par exemple, il y en a qui vont refaire leur nomenclature dans Excel, qui vont importer ça dans Word avec des images, puis mettre les flèches dans Word aussi. Alors ça détache la documentation technique, mais ça fait en sorte aussi qu'il faut retaper tous les noms, les propriétés, les numéros de pièces, et il y a un énorme risque d'erreur. Alors, prenons la nomenclature de ton mets préféré, François, le hamburger. Donc, on va avoir les quantités, on va avoir les descriptions, on peut avoir des groupes d'assemblage, on peut avoir aussi des groupes, par exemple, aussi pour certaines portions de notre assemblage. Alors, c'est vraiment comme ça qu'on va définir notre nomenclature et notre vue éclatée dans SOLIDWORKS Composer. Alors, évidemment, je pourrais réutiliser ma vue éclatée que j'ai importée de SOLIDWORKS. Vous allez me dire que ce serait peut-être un peu triché parce que le but, c'est de vous montrer les capacités de Composer. Alors, on va y aller vraiment manuellement. Je vais refaire une vue éclatée. Alors, je vais prendre mon mode de translation, mon outil de translation pour déplacer mes pièces. Vous allez voir avec la simplicité avec laquelle on peut déplacer les pièces. Ici, vous voyez, j'ai sélectionné trop de pièces. Donc, je vais juste aller désélectionner une pièce, puis finalement, éclater les bonnes pièces, comme ceci. Puis, je vais peut-être en profiter en même temps pour faire mes lignes d'éclatement. Alors, j'ai des chemins associatifs qui vont se générer de façon automatique si la pièce est vraiment alignée avec le modèle d'origine. Dans certains cas, comme celui-ci, va falloir mettre des polylignes. Donc, je vais me servir ici des axes pour venir créer ma polyligne. Ensuite, on va aller sélectionner, on va aller sélectionner encore une fois à partir de notre jeu de sélection ici, un groupe de pièces. On va s'approcher pour nous aider à travailler. Donc, je désélectionne une pièce, je continue. J'enlève encore une fois des sélections. On continue. Et là, je me rends compte que ces deux rondelles-là, je devrais les aligner avec cette pièce-ci pour mieux la voir. On va faire la même chose de l'autre côté avec mon groupe d'assemblage, encore une fois, mon groupe de sélection. Par rapport à SolidWorks, l'avantage ici, c'est qu'on ne crée pas des étapes d'éclatement. On sélectionne des pièces, on les positionne comme on veut et à la fin, on vient capturer notre vue. Alors, par exemple, ici, je pourrais tout de suite venir capturer la vue que je vais appeler, par exemple, éclatement général. Et au fur et à mesure que je vais ajouter des étapes d'éclatement, je vais pouvoir mettre à jour cette vue-là. Donc, je vais encore une fois créer mes chemins. On va venir sélectionner à l'aide de notre jeu de sélection ici, le cylindre que je vais éloigner, puis je vais tout de suite éloigner ça ici. Je viens sélectionner les pièces à déplacer, comme ceci. Et on a des modes également d'éclatement automatique qu'il faut se servir quand même dans Composer, qui sont très pratiques. Donc, je n'ai pas sélectionné. Le mode d'éclatement linéaire ici me permet d'éclater des pièces qui sont dans le même axe, comme ceci. Donc, on va refaire la même chose de l'autre côté, comme ça. Donc là, il y en a qui vont dire, ouais, la vis, j'aimerais ça la sortir. Bien, il n'y a pas de problème. Je peux la prendre et la déplacer comme ceci. Même chose de ce côté-là. Donc, si je préfère inverser l'ordre, il n'y a rien qui m'en empêche. Donc, je peux repositionner ça comme il faut. Et à nouveau, venir choisir ici les polylignes pour créer mes lignes d'éclatement. Comme ça, comme ça. Quoique j'aurais allé jusqu'ici. Celle-là, c'est le plus difficile à sélectionner parce qu'il n'y a pas vraiment d'axe
Comme ça. Bon. Voilà. Puis, il me reste à attaquer la partie du bas. Donc, on va à nouveau sélectionner les pièces que l'on veut déplacer. Comme ceci. Comme ceci. Je peux cacher des pièces temporairement également pour m'aider à faire mes sélections. Et finalement, on sélectionne dans l'autre sens. Voilà. Puis, il me reste quelques polylignes à mettre pour mes lignes d'éclatement. Entre ça et comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc, ça va m'avoir pris à peu près 5 minutes, même pas, pour créer une vue éclatée avec les lignes d'éclatement partout qui sont bien alignées. Il va juste me rester à définir quel type de ligne. On voit que j'ai des lignes rouges parce que ça, c'est mes polylignes. J'ai des lignes d'éclatement qui sont un peu grasses en pointillés. Donc, je vais me servir ici de mon mode de sélection pour sélectionner uniquement mes lignes d'éclatement. Définir une couleur, définir une largeur aussi, comme ça. Voilà, donc je double-clique dans le vide pour centrer, puis je vais pouvoir actualiser la vue. Alors, un gros 5-6 minutes pour faire une vue éclatée, mais vous allez voir, à partir de cette vue-là, je vais pouvoir faire de multiples vues éclatées et de multiples nomenclatures. Je vais la déplacer un peu comme ceci. Ensuite, je vais pouvoir maintenant justement ajouter ma nomenclature. Donc, comme j'ai dit précédemment, on a la nomenclature qui provient de SolidWorks. Dans ce cas-ci, je vais déplacer mon assemblage juste pour mieux voir la nomenclature et je vais l'agrandir. Je vais grossir le texte ici. Donc, j'ai peut-être trop de colonnes dans cette nomenclature-là, surtout si ça s'adresse à un client. Là, il n'y a pas besoin d'avoir le matériau, la masse, le vendeur, etc. Donc, on va pouvoir vraiment définir les propriétés qu'on veut afficher. Par exemple, je ne veux pas avoir le matériau, la masse, le vendeur. Puis tiens, je vais même enlever la description en anglaise. On va garder la nomenclature uniquement en français pour l'instant. Alors, moi, ce que je fais bien souvent, c'est que comme les nomenclatures sont assez grandes, il y a beaucoup de composants, je vais me créer une vue avec uniquement ma nomenclature. Alors, je vais l'appeler BOM général, comme ceci. Et comme ceci plutôt. Et je vais retourner à mon éclatement parce que je vais vouloir rajouter des bulles. Donc, je peux sélectionner l'ensemble de mes pièces. Puis, on va aller ajouter les call-outs de façon automatique. En affichant la nomenclature, peut-être mettre la nomenclature à côté. En fait, je vais même remettre mon filtre pour pouvoir sélectionner les pièces. Donc, je vais positionner au préalable et les call-out. Donc, il va m'ajouter toutes les bulles de mon assemblage de façon automatique. Je vais mettre ça en mode périmétrique. Donc, ça met des bulles très proches des composants. Et finalement, je vais appliquer un style que j'ai défini. Alors, on peut créer des styles qu'on va réutiliser, qu'on va partager entre les différents intervenants dans la compagnie. Je pourrais aller jouer avec les paramètres ici à chaque fois que j'ajoute des bulles. Mais c'est bien mieux de se créer un style parce qu'on le récupère. Alors, d'un clic, si toutes mes bulles vont s'adapter au style que j'avais prédéfini. Il me reste évidemment parfois là, à repositionner quelques bulles. Là, je l'ai juste détaché sans faire exprès. À remettre. Puis, je vais répliquer le style. Voilà. Donc, je peux repositionner les, comme je disais, les bulles au besoin pour améliorer ma documentation. Je ne vais pas passer trop de temps juste à repositionner des bulles. Je pense que vous comprenez bien le principe. Mais c'est vraiment parce que par la suite, je vais pouvoir récupérer chacune de ces bulles-là, chacune de ces sections-là, pour créer une vue éclatée indépendante. Alors, encore une fois, je vais venir actualiser
la vue. Mais maintenant, avec mes bulles, alors j'ai une vue éclatement générale, j'ai une vue nomenclature générale également. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un petit groupe de pièces, puis je vais aller réutiliser ici dans les options, voir la sélection et cacher les autres. Je vais afficher ma nomenclature également. Je vais remettre ici en plus petit. Puis, je vais juste avoir ici à repositionner comme il faut mes calas, mes lignes d'éclatement. Alors, j'ai une option pour ça qui me permet de détacher les lignes d'éclatement pour pouvoir les repositionner. Donc, c'est très, très simple. Ça prend quelques secondes. Et je vais pouvoir maintenant me créer une nouvelle vue que je vais appeler Bum Clamp. Comme ceci. Et je retourne à ma vue générale. Je sélectionne les pièces que je veux à nouveau isoler. Je retourne voir la sélection et cacher les autres. On affiche la nomenclature. Comme ceci, je la repositionne. Et on va créer notre nouvelle vue éclatée. Donc, ça, c'est le check, comme ceci. Alors, vous comprenez le principe. Je pourrais faire ça sur chacune de mes sections pour créer rapidement, là, vraiment en quelques clics, des vues éclatées pour chacune de mes sections. Donc, je réaffiche ma nomenclature. Bon, le webinaire porte vraiment très bien son nom. C'est effectivement des trucs de pro pour utiliser Composer puis créer de la documentation efficacement. Oui, effectivement. Donc, on était habitué de toujours repartir de zéro, mais moi, je me fais une vue éclatée générale puis je la réutilise dans chacune de mes vues par la suite. Cette numérotation-là est basée sur ma numérotation d'ingénierie. J'ai des clients des fois qui me disent « Ah, je veux absolument la même numérotation qu'en ingénierie. » Parfait, c'est ce qu'on a. Il y en a qui veulent une numérotation différente. On pourrait l'avoir ici également. Là, j'aurais juste à recréer des nouveaux BOM ID sur chacune des pièces. Puis en quelques clics, j'aurais la même nomenclature. J'aurais en fait une nouvelle nomenclature qui pourrait avoir, par exemple, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Au lieu d'avoir 1, 29, 8, 11, 31. Ça, c'est vraiment dans le cas où qu'on veut avoir la même nomenclature dans chacune des vues parce que j'ai une nomenclature générale qui apparaît également. Je vais même réutiliser une de ces vues-là. Donc, je vais cacher ce que je n'ai pas de besoin. Je vais sélectionner les bulles aussi. Puis, je vais les cacher. Et je vais venir à la place ajouter des étiquettes sur les pièces. Donc, les étiquettes me permettent de récupérer des informations, encore une fois, qui sont à l'ingénierie, par exemple, le numéro de pièce, le matériau, le fournisseur, la description. C'est vraiment selon ce que vous voulez mettre comme propriété. J'en ai-tu oublié? Celle-là est différente. Les autres sont toutes pareilles. Peut-être pas elle. Voilà. Donc, à nouveau, je vais sélectionner les étiquettes, puis je vais venir appliquer un style. À noter que moi, pour les présentations, je ne mets pas le style par défaut, mais on pourrait faire en sorte que à chaque fois que je mets des étiquettes, c'est par exemple description, traduction qui va apparaître. On pourrait dire que finalement, c'est toujours notre pointillé qui va apparaître. Donc, on peut avoir un style qui va être là toujours par défaut dans chacune de mes vues. On voit que rapidement, j'ai été en mesure aussi de mettre les propriétés voulues sur chacune de mes pièces. Il y a une pièce ici que je n'ai pas la description en français. Je vais vous montrer tantôt pourquoi. Mais avant, je vais juste aller réappliquer. J'ai oublié avant ma présentation de mettre la description en anglais. Qui n'est pas celle-ci, mais qui est celle-ci. C'est celle-là. Ah non, c'est juste la...
Je ne me souviens jamais c'est laquelle, c'est pas celle-là. Fait que ça va être la dernière que je vais essayer, c'est sûr. Voilà. OK. Donc là, j'ai toutes mes descriptions en anglais. Si voulu, je vais mettre ici une nouvelle vue que je vais appeler note. Ça, c'est le check. À nouveau. Voilà. Donc, j'enregistre mon document. Alors, en quelques clics, vous avez vu que j'ai été en mesure de faire des vues éclatées, bon, une générale, avec sa nomenclature générale, faire de multiples vues éclatées par la suite. Alors, c'est vraiment très, très, très simple de récupérer du contenu, récupérer les nomenclatures, puis même à la limite, j'aurais pu récupérer la vue éclatée, mais je voulais juste vous montrer comment en créer une de nouveau. Un des gros problèmes qu'on a lorsqu'on fait de la documentation technique, c'est la traduction. Alors, par exemple, ici, vous voyez la lumière d'inondation solaire multifonctionnelle de LED. Ça doit être celui-ci que j'ai installé chez moi parce qu'elle a marché pendant 2 jours. Ça doit. En fait, le packaging reflète souvent la qualité du produit qui se retrouve dans la boîte, hein. Ça, c'est un projecteur à LED, là, qui aurait dû indiquer. Ici, je suis incapable de lire la phrase à voix haute tellement que c'est impardonnable. On voit, hein, c'est traduction mot à mot. C'est même pas. Google fait un meilleur job que ça. Il y a des outils aussi qui sont disponibles sur le web. Il y a des sociétés qui sont spécialisées aussi dans la traduction. Mais le mieux, c'est de mettre le moins de mots possible. Et ça, c'est le pire du pire. Ils ont prévu les espaces pour la traduction, mais ils ont oublié d'ajouter la traduction. Alors, ils se sont retrouvés avec un packaging marqué French, French, French partout. Ce qui est très drôle quand même. Alors, si on pense que la traduction d'un document coûte trop cher, imaginez-vous combien que ça coûte de ne pas bien traduire ces documents. Ici, là, on voit là, un commentaire sur probablement Amazon qui dit que cette personne-là ne recommande pas, n'achèterait jamais un produit Ring parce que la traduction est mauvaise. C'est vrai quand on passe de l'anglais à français, mais c'est encore pire quand on passe de français à anglais. J'écoutais Les Dragons cette semaine, puis il y en a un qui a dit, Mané, il dit, moi, je suis un pro de la langue française, je suis un Gaulois, mais il dit, je mets mes produits en anglais parce que ça triple mes ventes à chaque fois. Alors, c'est vrai, dans un sens comme dans l'autre. Alors, n'oubliez pas de faire une bonne traduction de vos documents, mais surtout, mettez le moins de mots possible dans vos documents si c'est possible. Alors, justement, je vais retourner à mon exemple que j'ai mis tantôt. Alors, dans ce cas-ci, je n'ai pas le choix, hein. C'est des descriptions. Les descriptions, si on les met en français ou en anglais, il faut pouvoir le traduire si on a besoin. Alors, vous vous souvenez tantôt que j'ai appliqué un style qui s'appelle description-traduction. Alors, c'est un style que je me sers parce que je peux imprimer une fois mon document en français ou en anglais et par la suite, juste d'un clic, traduire mon document pour l'avoir en anglais. Alors, si je m'en viens ici, dans mes styles, je vais aller choisir mon style description traduction. Et c'est ici que je pourrais, par exemple, définir une nouvelle couleur pour le style, une police plus grande, une police différente. Donc ça va s'appliquer à tous les éléments auxquels j'ai mis ce style-là. Alors, peu importe le document, peu importe la vue, le style va s'appliquer tout le temps. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller changer la description qui est à l'intérieur. Donc, je pourrais mettre le matériau, la masse, le fournisseur, donc vraiment comme je veux. Mais j'ai mis une propriété qui s'appelle description français. Alors, j'ai la description en français de chacune des pièces, sauf de une pièce. Alors, ça va arriver des fois qu'à l'ingénierie, ils ont oublié d'ajouter une propriété, puis je ne veux pas aller les embêter avec ça. Alors, ce que je peux faire ici, c'est que je vais copier sa propriété ici. Puis, je vais aller créer une nouvelle variable qui va s'appeler description fr. C'est config, je crois que j'ai mis. Non, ce n'est pas config, c'est l'autre. Voici. Puis, je vais l'ajouter à cette pièce-là, ce qui va me permettre d'aller moi-même rentrer la description. Voilà. Et donc, si jamais l'ingénierie a oublié quelque chose, le meilleur truc, c'est d'ouvrir l'assemblage dans SOLIDWORKS puis de réimporter la pièce. Mais si ce n'est pas possible, vous pouvez ajouter une variable, puis la modifier, cette variable-là, au besoin.
Comme je disais, ben, le moins de mots possible, le moins de traduction vous allez avoir. Une compagnie qui a très bien compris ce principe-là, c'est en mettant des numéros de pièces au lieu des noms de pièces, en mettant une liste de pièces très visuelle et peu importe ce qu'on va illustrer à la façon d'IKEA, ça va toujours être très facile de comprendre. Par exemple, ici, on voit bien, hein, si tu cours après, cours, barre ta porte, fais tes prières, prends un café, puis tu ne dormiras pas de la nuit. Et donc, il y a même la nomenclature ici de Freddy Krueger. Peu importe ce que tu expliques, si tu as une bonne façon de l'expliquer, ça va être compréhensible pour tout le monde. Ici, j'ai un très bel exemple d'un document qui ne reflète pas la qualité du produit. Donc, j'ai beaucoup de photos. Très mal prise d'ailleurs. Puis, il y a beaucoup d'erreurs là-dedans. Donc, premièrement, on va voir la traduction. Donc, support de niveau. Percer des tours. Monter le support des vidoirs. Donc là, il manque des mots. Donc, la traduction n'est pas bonne. Il n'y a pas de liste de pièces complète au début non plus qui nous démontre s'il nous manque des pièces ou pas. La qualité des images n'est pas bonne. Il y a trop d'étapes. Ça porte à confusion. Mauvaise mise en contexte aussi. Hein. Ils montrent ça sur un plywood qui est vissé après des palettes dans le shop. Alors, c'est clairement pas comme ça que tu vas installer chez toi ce dévidoir-là. Et même au niveau de la personne qui a fait le montage, là, il a écrasé des images. Donc, on voit que cette image-là, tu sais, est écrasée. En plus, ben, c'est la même instruction pour plusieurs modèles qui sont différents. On va voir comment on peut améliorer notre documentation, comme Gardener l'a fait. Donc, vous voyez qu'ils ont passé d'une feuille vraiment, vraiment mal faite à un feuillet avec des instructions. Donc, j'ai ma liste de pièces pour un certain modèle, j'ai une liste de pièces pour deux autres modèles et j'ai uniquement deux étapes au lieu de 15 étapes qui définissaient cette installation-là. En plus, j'ai le mode de fonctionnement, donc comment utiliser le modèle. Même chose ici. Et j'ai les différentes langues qui sont disponibles. Évidemment, pas pour ces vues-là, mais pour les instructions de sécurité, les trucs légaux qu'on est obligé de mettre dans nos documents. J'ai également la certification qui est dans le haut. OK, donc c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir créer une qualité qui reflète, une documentation qui reflète la qualité de vos produits. Les illustrations, il faut que ce soit toujours très, très clair. Donc, essayez de bouger les yeux un petit peu sur cette image-là. Vous allez voir les pièces tourner de bord. Donc, évidemment, ici, c'est trompe-l'œil, là. Même cette pièce-là est tordue. J'ai des mesures en pieds, des mesures en centimètres. Donc, ici, j'ai même une petite joke. Donc, cette vue-là, c'est la catastrophe, là, quand tu regardes ce type d'illustration-là. Donc, qui a été faite à la main, ça va être trompeur. Mais c'est la même chose si on a pris des photos puis que c'est pas clair. Tu sais, j'ai pas le contexte. C'est pas très, très, très vendeur comme type d'illustration. Alors, la clarté de vos illustrations, ça va être vraiment la clé au niveau de votre documentation. Alors, je vais repartir de ma vue de départ juste pour vous montrer des possibilités qu'on a avec Composer. Donc, je vais choisir mon mode de rendu personnalisé. Puis, je vais venir affecter une couleur, la même couleur à toutes mes pièces. Puis je vais mettre à nouveau en technique à plat. Donc, vous voyez, j'ai tout mis en gris et je vais retourner sélectionner à partir de mon jeu de sélection un groupe de pièces que je vais mettre en couleur. Bon, pas, évidemment, pas les arêtes, mais la couleur de la pièce au complet. Et donc, vous voyez qu'en quelques clics, j'ai mis l'accent sur un groupe de pièces. Si vous imprimez ça en noir et blanc, là, il n'y a pas de problème. Je pourrais dire à la place que je veux toutes mes pièces en blanc, puis uniquement mon jeu de sélection ici que je vais mettre en gris. Et donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez quand même réutiliser le même style d'affichage si vous imprimez uniquement en noir et blanc. Puis, je vais aller changer la priorité d'affichage ici des pièces centrales. Donc, vous voyez maintenant en transparence, il appelle ça le ghosting là, dans l'illustration technique. Donc, ça me permet de vraiment de voir la pièce dans son contexte facilement. Je vais même pousser un peu plus. Je vais aller sélectionner un groupe de pièces comme ceci, puis
comme je l'ai fait tantôt, plutôt d'en transformer, je vais prendre mon éclatement linéaire, éclater ça comme ceci, je vais changer ça. Ça, puis je vais aller sortir la vis complètement. Puis, je vais faire à nouveau ici des chemins. Puis, je vais appliquer le bon style à ces chemins-là. Donc, le style d'éclatement. Puis, je vais reprendre le groupe. Puis, je vais sélectionner mes deux lignes d'éclatement pour les inclure dans ma sélection. Je ne sais pas si j'ai bien choisi des deux côtés. Je pense que oui. Alors, je vais aller dans le mode illustration technique, puis j'ai la possibilité de créer des vues de détail à partir de ma sélection. Et donc, ça a uniquement pris ce que j'avais pré-sélectionné, c'est-à-dire les pièces, mes deux lignes d'éclatement, pour faire une vue de détail uniquement de ces composants-là. Alors ça, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire avec d'autres logiciels. Ici, ça m'a pris quelques clics pour avoir cette vue-là. Et au besoin, je peux même, pour mon illustration, si je n'ai pas besoin que tout ça soit éclaté, je peux les remettre à leur place. Donc ça, ça va être ma vue que je vais venir nommer Ghost. Bon, je regarde, je suis pas mal dans les temps. C'est pas pire, j'ai clenché ça. Il me reste une petite dizaine de minutes là, pour terminer ma présentation. Alors, vous avez vu qu'au niveau de la faisabilité des vues, donc il y a des astuces dans Composer qui vous permettent de rajouter vraiment de la qualité à vos illustrations techniques, puis même de faire des images qui ne sont pas possibles de faire autrement, même avec un appareil photo. Maintenant, les règles d'or de la documentation technique. Donc, ça prend toujours un bon montage pour faire un bon document. SolidWorks Composer peut faire des documents qui vont être bons pour votre atelier, vos équipes à l'interne, sans avoir besoin d'un logiciel externe. Par contre, si vous voulez avoir une documentation de belle qualité, avec une belle mise en page, vos logos, peut-être des numérotations, une pagination, etc. Donc là, ça va vous prendre un logiciel d'illustration. Ça pourrait être un logiciel comme Word, comme PowerPoint. Il y a des logiciels comme InDesign aussi. Moi, j'utilise Affinity Publisher que je vais vous montrer, qui va vous permettre de faire votre documentation technique et de la mettre à un autre niveau, au niveau de la qualité. Alors, comment on va faire ça? Je vais retourner dans Composer et premièrement, je vais supprimer les vues que finalement, je n'ai pas de besoin d'exporter. Donc, ces quatre vues-là, j'en ai pas de besoin. Et je vais vouloir exporter chacune de mes vues et j'ai deux choix. Je pourrais les exporter en images haute résolution. À ce moment-là, il va falloir que je définisse une taille, une qualité d'image et ça va me créer un JPEG ou un PNG que je vais pouvoir intégrer dans ma documentation technique. Ça fait des images qui sont un peu lourdes si on veut avoir une belle qualité, mais surtout qui ont une résolution que je dois définir à l'avance. Alors, je ne sais pas toujours quelle taille va avoir mon image dans mon document. Alors, on va être habitué de faire des images trop grandes pour rien. Alors, ce n'est pas la bonne technique. Je préfère utiliser des illustrations techniques. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus facile et beaucoup plus léger à utiliser. Je me suis créé un profil que j'ai appelé BioDAP Couleur, donc qui va définir mes différentes options au niveau de l'épaisseur des traits de contour, les traits intérieurs, les ombrages, les couleurs, etc. Donc, je vais enregistrer ces images-là en images vectorielles. Donc, au lieu d'être une image raster avec une résolution, une image vectorielle peut être agrandie à l'infini sans perte de qualité. Puis, je vais m'assurer d'activer l'option « Vue multiple ». Ça va faire en sorte que ça va enregistrer chacune de mes images, chacune de mes vues plutôt, dans une image vectorielle. Alors, ça va prendre quelques secondes. Ici, on voit la barre de progression avancée. Et ça, je vais pouvoir, par exemple, dans mon profil, lui dire de toujours enregistrer à un emplacement, par exemple, pour un accès web, pour un accès à mon système ERP. Pour mon PDM. Donc, je pourrais toujours enregistrer mes images au même endroit au besoin. Alors, c'est maintenant terminé. Je peux vous montrer ce que ça donne comme résultat. Alors, je me suis ouvert une fenêtre ici. Je l'ai fermé. Voilà. Donc, dans mon répertoire ici, j'ai maintenant une image vectorielle.
de chacune de mes vues. Par défaut, quand je double-clique dessus, ça va l'ouvrir dans un navigateur web, mais je vais pouvoir l'intégrer très bien dans un document Word ou Affinity Publisher, comme je vais vous montrer aujourd'hui. L'avantage d'un logiciel comme Affinity Publisher, c'est qu'on peut avoir des templates. Et dans ces templates-là, on va avoir des zones prédéfinies où je vais pouvoir venir glisser mes images. Alors, par exemple, ici, je vais pouvoir glisser un rendu que j'ai fait à l'aide de SolidWorks Visualize. Donc, je peux la redimensionner et repositionner selon mes besoins. Et je vais pouvoir me créer des templates de pages. Donc, vous voyez ici, j'ai différents formats que je me suis créé. Parfois, deux images avec du texte, quatre images uniques, deux cercles avec du texte aussi. Je vais utiliser ce type-là en premier. Puis, je vais venir glisser en premier ma nomenclature et ensuite mon éclatement général. Donc, vous voyez que drag and drop, ça vient se positionner correctement. Pourquoi? Parce que dans Composer, j'ai fait une zone carrée d'exportation. Mon espace papier est carré. Et dans mon document ici, Publisher, j'ai fait des espaces carrés aussi. Alors, je vais venir ajouter deux nouvelles pages. Pas ce template-là, par contre, avec la page comme ceci. Puis, je vais venir glisser cette fois-ci. Je pourrais glisser, tiens, celle-ci. Je vais prendre ça. C'est plus beau. Ça et ça. Puis, je vais venir rajouter des pages aussi avec un autre de mes modèles. Tiens, comme ceci. Es-tu en train de me dire qu'en un peu moins de 45 minutes et en expliquant tout, tu vas finaliser une documentation technique au complet? Ben, je m'enligne pour ça. Je m'enligne pour ça. C'est un peu la course. C'est un peu la course. Je me souviens plus ce que j'ai mis. Tiens, je vais prendre celle-là ici. Je ne l'ai pas mis encore. Tiens, je vais prendre celle-ci. OK, donc juste vous montrer également une des possibilités avec un logiciel comme ceci. Vu que j'ai inséré, je vous rappelle, des images vectorielles. Donc, si je glisse deux fois cette vue-là, tu sais, on se souvient que j'ai fait des vues spécifiques pour mes sous-assemblages. Mais comme c'est du vectoriel, je vais pouvoir zoomer, puis me déplacer comme ceci, sans perte de qualité d'affichage. Okay? Donc, je n'ai même pas besoin, à la limite, je pourrais être paresseux, là, puis réutiliser la même vue éclatée pour chacune de mes vues. Okay? Donc, sans même avoir à créer toutes les images comme je l'ai fait précédemment. Donc, je vais juste supprimer les deux pages ici. Alors, ça, on part du début. Donc, j'ai maintenant mon document. On voit que j'ai un espace pour mettre des propriétés. Donc, je pourrais mettre le titre. Ça, c'est un manuel utilisateur, comme ceci. C'est mon BioDAP VF2. Et finalement, ça, c'est ma REV 1. Comme ceci. Et ces champs-là, ben, sont appliqués maintenant dans chacune de mes pages. J'ai ma pagination qui se fait automatiquement également. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Un peu de temps peut-être pour des questions. Un point important là. J'imagine bien sûr que là, si je change quelque chose dans mon modèle SolidWorks parce que problématique à l'ingénierie est obligé après des tests de simulation dans SolidWorks Simulation de refaire une portion ou une braquette, je n'ai pas besoin de refaire ma documentation technique ou je dois tout recommencer à zéro? Bien, absolument. Tu n'as pas besoin de recommencer à zéro. Hein? Parce qu'une des règles aussi en ingénierie, c'est que tout peut changer à tout moment. Et le problème, c'est que souvent, bien, ça engendre des délais, ça engendre des erreurs, des dépassements de coûts. Ou pire, on ne le fait pas du tout. On ne met pas à jour notre documentation technique. Et là, on se retrouve avec un manuel qui n'est plus à jour. Alors, deux, trois ans plus tard, bien, il faut le refaire au complet. Alors moi ici, dans Composer, on va voir que je vais venir actualiser mon modèle. Cette pièce-ci va changer, je vais avoir un cover qui va s'ajouter également. Et ici, il va y avoir le logo de SX qui va apparaître. Alors d'un clic, ici, je vais pouvoir venir actualiser.
à partir d'un assemblage ou à partir d'un fichier Composer. Parce que ce qui est bien, c'est que dans SolidWorks, je peux faire enregistrer sous format Composer. Alors, l'ingénierie pourrait produire des fichiers Composer à la place que la personne qui fait la documentation a le fardeau d'aller chercher le document à chaque fois. Alors là, on voit qu'il est en train de mettre à jour. J'ai maintenant mon nouveau cover. J'ai une pièce qui a été remplacée. Donc là, il est en train de recalculer les arêtes. Ce ne sera pas très long. Alors, vous voyez ici, j'ai mon logo, puis cette pièce-ci a changé. Et la beauté de la chose, c'est que dans chacune des vues, évidemment, la pièce qui a été modifiée va être éclatée correctement. La pièce qui a été remplacée, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est de l'ajouter dans mon éclatement. Alors, tu sais, je pourrais juste ici venir changer la couleur parce que c'est ça qui a été modifié. Donc, j'y applique la même couleur que l'autre pièce. Puis, cette pièce-ci, au besoin, je pourrais juste la déplacer comme ça. Et au final, bien, j'ai juste à actualiser la vue. Et donc, j'aurais sans doute quelques vues à repasser. Une vue qui est intéressante maintenant, c'est qu'à travers le cover, on voit bien le cylindre. Je peux changer quand même son style d'affichage pour le mettre en technique à plat comme les autres. Puis, j'actualise. Je ne vais pas mettre à jour toutes les vues juste pour vous montrer que j'ai juste à retourner enregistrer mes images par-dessus les images existantes. Et un logiciel comme Word, comme InDesign ou Affinity Publisher que je vous montre aujourd'hui, va se mettre à jour de façon automatiquement avec mes nouvelles images. J'aurais même pu dire finalement, je veux toutes mes images en outline uniquement et j'aurais été en mesure d'avoir un nouveau document si je le traduis. Donc, je pourrais tout traduire mon document en quelques clics comme je vous l'ai montré tantôt et ce serait fait. Donc, je retourne maintenant dans mon logiciel de publication. On voit que ça me dit qu'il y a des ressources qui ont été modifiées. Donc, je vais pouvoir les sélectionner et les mettre à jour. Alors, vous voyez maintenant que le cover est apparu dans les différentes vues. J'ai ma nouvelle pièce qui est là également. Alors, mon document est à jour en entier en quelques clics. Alors là, j'aurais juste à exporter ça en PDF et mon document est prêt pour la production ou manuel d'utilisateur dans ce cas-ci, etc. Donc, évidemment, on peut faire beaucoup, beaucoup plus là, que ce que j'ai montré aujourd'hui avec Composer. J'aurais pu ajouter des flèches, par exemple, pour tourner. J'aurais pu, tu sais, des flèches pour indiquer de faire une rotation, de tirer, de pousser. J'aurais pu ajouter des images, des logos, des icônes. Vraiment, j'aurais pu complémenter ma documentation technique avec d'autres choses. Mais c'est le temps qu'on avait aujourd'hui. Puis, ce qui est bien, c'est que pour la première fois, François, depuis des mois, on rentre dans notre temps alloué. Effectivement, on a limité à 2 minutes la période de questions, mais effectivement, on a réussi. Donc, beau challenge, en tout cas, Jonathan, parce que c'était un petit peu la thématique aujourd'hui, donc de monter de la documentation technique comme un pro. Donc, évidemment, on en a profité pour vous montrer la solution SolidWorks Composer ou CATIA Composer, hein, parce que du coup, ça va être vraiment la même dans les deux environnements. Mais aussi, exactement. On vous a démontré quand même comment essayer aussi un truc et astuce de travailler plus vite et plus efficacement pour créer cette documentation-là. Et je pense que Jonathan a remporté le challenge avec ça. Donc, bravo, félicitations. Bien sûr, vous avez la petite section questions. On va aller tout de suite jeter un œil ici. Si on a des questions. Sinon, n'hésitez pas, bien sûr, à nous poster votre question ici. Si vous avez questions, commentaires, insultes. Commentaires ou autres, effectivement. Bien sûr, si vous avez des questions aussi, la session va être enregistrée et disponible aussi sur notre site web www.solidexpert.com dans la rubrique événements. Et puis, bien sûr, on se tient à votre disponibilité aussi pour pouvoir répondre à vos questions. Vous pouvez nous appeler au téléphone. Et oui, le bon vieux téléphone, ça marche encore. Ou bien par courriel, évidemment, ou directement sur notre site web. Donc, j'en ai profité ici, François, juste pour montrer. J'ai réexporté les images juste en outline. Donc, vraiment pour montrer les possibilités qu'on a. Oui, et que en 10 secondes, là, tu as reformaté un nouvel format de documentation. Exact. Puis, voici au final, ce que ça peut donner.
Donc, si j'ai changé la couleur au niveau de la nomenclature, parce que par défaut, c'est un genre de bleuté, là, donc je l'ai mis gris avec le titre orange. Donc, ça, c'est un document final. J'ai mis les traits de contour plus épais dans certains cas. Donc, vous voyez ici, j'ai mis les options pour les semelles, donc la vue ghost, comme je vous ai montré tantôt. Donc, vraiment, un document technique complet en moins d'une heure. Puis là, j'ai la même version aussi, mais juste en outline. C'est très joli quand même. Si on n'a pas l'intention d'imprimer en couleur, faites quand même toutes vos vues en couleur, puis à la fin, exportez juste en mode contour, sans remplissage. Moi, j'ajoute l'ombrage. Il y en a qui ne veulent pas l'ombrage. On peut le désactiver. Mais vraiment, moi, je travaille toujours, toujours en couleur. Ça facilite beaucoup notre travail dans Composer. Oui, effectivement, je pense que c'est un bon truc, ça. Donc, merci à tous d'être restés avec nous pendant cette heure-là. J'espère que ça vous a apporté ce que vous attendiez quand vous avez lu le titre de ce webinaire-là. Et puis, je vous invite à suivre la page événement sur le site solidexpert.com et de voir les prochains webinaires qui peuvent vous intéresser et qui vont être pertinents pour vous. Alors sur ce, on vous souhaite à tous une belle fin de journée. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous et on vous dit à très bientôt. Merci Au revoir. François, à bientôt.